utapia raisi wetu, utawala wakim, waleta furaha. Watoto wamesoma bure, wazazi wamepata furaha. Kwa malipo ya masomo, kwa bure, uishi milele, utawale milele, tukupenda. Imana ya Congo, na sepeli komo na president ngai Tshisekedi yo, na vile na biso ya mboka oyo ya Congo, Bukavu to sepeli mingi komo na ye, yango yo ngai na kobetale maboko, maboko, yango yo ngai na koyembela ye, yango yo tika na ebisa ye na motema na ngai yo, umela president ngai. Umela papa Tshisekedi, umela, 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 umela papa nanga yo. Mon président Chilombo. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur TV du peuple RD Congo, mesdames et messieurs, une télévision qui a toujours été à proximité du peuple congolais, mesdames et messieurs, pour recueillir pour vous des informations sûres et fiables. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis seul sur ce beau plateau de TV du peuple RD Congo, juste pour vous informer, mesdames et messieurs, dans ma cambo, dans la mort, dans la bisso, Aura Mikolo, tout ça, dans ma arrestation, ainsi de suite. Je vous ai dit tantôt de l'arrestation d'un vendeur d'armes. C'est un monsieur blanc qui a double nationalité, biélorusse et américain. Et maintenant, je vais vous parler, mesdames et messieurs, du mandat d'arrêt international. Il y a général contre plutôt le général John Numbi qui a pris la fuite ou encore qui a pris la poudre de scampette pour au Zimbabwe. Mesdames et messieurs, la rubrique na bino keno pona nini John Numbi akimi na Zimbabwe. John Numbi azamutu oyo azalaki général na mboka na biso, il avait sécurisé les élections 2018 et après le chef de l'État Tshisekedi Félix, après avoir fait ou effectué le remaniement dans l'armée, John Numbi a été remplacé par celui qu'on appelle le général Toumba Tangofort Amissi. Mesdames et messieurs, John Numbi a tikala qui général juste sans fonction et azo qui vole na yak nek le Lubumbashi Kopema na ferme na ye ya Lubumbashi. Mesdames et messieurs, et ce type a été appelé par le chef de l'État. Malheureusement, ce type avait désobéi à l'appel du chef de l'État et puis à un certain moment, ce type a été soupçonné dans l'affaire des miliciens ainsi de suite. Moutouan Siko Batina qui m'a invitation, mais malheureusement, il n'avait pas répondu favorablement. Quelques jours après, il a pris la poudre de scampette pour les Zimbabwe, à la capitale de Harare. Pourquoi John Numbi, mesdames et messieurs, a ponati kokende na Harare to na pays à Zimbabwe? Zimbabwe, mesdames et messieurs, est un pays oyo qui collaborait très bien avec Joseph Kabila Kabange, notre ancien chef de l'État, ou encore le chef de l'État honoraire qu'on appelle Joseph Kabila Kabange. Il collaborait très bien avec les Zimbabwéens, encore les présidents zimbabwéens. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi John Numbi a sujet bon Yakokinde Kouvan dans la Zimbabwe comme pays d'exil. Pourquoi Ake Kouvan dans la Zimbabwe, mesdames et messieurs? Si vous allez bien, je vous ai bien expliqué que non, le vendeur d'armes au Bakanyi dans le Lubumbashi, Ake Kouvan dans la Zimbabwe, Kouna dans la Zimbabwe, mesdames et messieurs, Ndebisi que Joseph Kabila Kabange, Azalaba collaborateur, Moko Yamakasi, Soloba, source sûre, Oyezoko Yebisabiso que non, Joseph Kabila Kabange a des relations sérieuses, des relations intimes. Des relations vraiment Yamakasi Makasi avec les Zimbabwéens. Yangona John Numbi a été se réfugié Kuna pour préparer une rébellion. C'est la source de Zakoyo, mesdames et messieurs, on ne confirme pas. Mais ne de Zakoyo que non, John Numbi a été préparé. Mesdames et messieurs, les miliciens ont été pour attaquer au Katanga ou encore le grand Katanga pour conquérir le pouvoir. Toyebite est ce mutu oyo akokota kokate. Mais tout le monde a sur les réseaux sociaux balobi balancer un mandat d'arrêt international. Donc baza koluka ko localiser John Numbi sérieux sozali pour nako arrêter ye. Est-ce que cela se la fait? Est-ce que cela fait makambwana? Est-ce que bakana John Numbi? Maintenant la question qui se pose, mesdames et messieurs, la population congolaise bazoloba, pourquoi quand John Numbi était à Lubumbashi bakanga qui était? Est-ce que esa complicité ya agent de sécurité à Lubumbashi, ANR et DGM, ou John Numbi a qui a accord Mokoboya hiérarchie en Boranabiso? Je ne pense pas. Soit John Numbi a collaboré avec la DGM et les services de renseignement à Lubumbashi, Yango va permettre qu'il y ait Akima, Akenena Mokoya Libanda, Tona exil, Kuna na Zimbabwe, ou il y a des conjurations
qui se tramait dans des officines obscures. Si ba comme un niveau à Kimi, ça y est, mesdames et messieurs. Et koye ba na toto koye ba pourquoi John Numbi a Kimi? Parce qu'il fallait Azala déférer Awa na Kinshasa devant la justice pour que Asamba. Parce qu'il y avait trop de soupçons, il y a Makambo Ibele, il y a Katanga Kuna, au John Numbi, pour préparer peut-être avec le Bakatakatanga, le Baïmaï et autres, pour créer Mouboulou à Lubumbashi, pour créer la sécession. Il y a Katanga. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi tu as dit que nos TV du peuple, ils allaient pour informer Bino, ceux qui informaient Malam, ils allaient dire, tous les garambangs, mangos, pour la copie, c'est Bino Yango, afin que Bozola informé. D'où, nous allons s'abonner massivement à la TV du peuple RD Congo. Je pense que vous ne serez jamais, jamais et alors déçu. Je pense que le service de sécurité à Congo, tout le service de sécurité à Zimbabwe, où ils ont déjà alerté. Je pense que c'est pour ça qu'on localise John Numbi, pour que les gens qui ont été mis en Sima, aient un bon abisso, pour que tout le monde soit en train de découvrir les miliciens et les formés, mesdames et messieurs. Voilà, on a tout ça pour le souci. Nous avons un Lubumbashi, il y a 80 militaires sans fonction appelés à se rendre à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bah militaires ont basé sans fonction des bateaux, on a basé qu'on préparait plutôt bah Makamboya Mabi. Les militaires sans fonction sont ceux qui préparent ou qui recrutent bah miliciens. Sont ceux, mesdames et messieurs, qui travaillent en collaboration avec les généraux mafieux. Les militaires sans fonction, mesdames et messieurs, sont ceux qui font des banditismes à Lubumbashi dans la grande Katanga Kuna, parce qu'ils sont sans fonction. Raison laquelle Batika de Koura va créer un boulot ainsi de suite, copier, couiller, bah, violer ainsi de suite. Heureusement que chef de l'État, comme étant hasard garant de bon fonctionnement, Akutani, na général Constantin, mesdames et messieurs, Balobino, Batunion, Soran a tout 80 militaires, bas à la transférer à Kinshasa, peba. Définir bien Balobi, transfert wana, et ça définitif. Donc, tant que Bazo, Lubumbashi, Bazo, Kinshasa, pour la libéra. Et puis, bah, comment maintenant affecter Bango dans la province Moussousou. Mais, dans Lubumbashi, les sous-souté. Balobi, 80 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, sans fonction, sont obligés de quitter la ville de Lubumbashi dans les Hauts-Katanga pour rentrer à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans une lettre d'ordre de mission, signée le mardi 23 mars 2021 et dont une copie est parvenue à 7h sur 7 CD, cet média en ligne, ce jeudi, le colonel Constantin Mumba, chef du département d'administration adjoint de la deuxième zone de défense de FARDC, indique que le déplacement de ces militaires est définitif. Voilà, je vais dire, mesdames et messieurs, déplacement à Bango est définitif. Donc, c'est ce que nous avons dit, Kinshasa, Bako Zongal Sukunate. Parce que Bango est dans le créé Mouboul Kuna. Ils sont sans fonction. Bon, les militaires sans fonction, voilà, dont les noms suivants, sont autorisés à se rendre à Lubumbashi Kinshasa. Donc, la nature de la mission, rejoindre Kinshasa, c'est-à-dire que la durée de déplacement est définitive. Il lit dans cette correspondance, mesdames et messieurs, Balobi, certains membres de la société civile locale pensent que le déplacement des FARDC sans fonction vers l'état-major général du commandement à Kinshasa entre dans le cadre de la révision des futures affectations des forces de l'ordre, une procédure des routines et sécuritaire. Il sied de noter que plusieurs officiers supérieurs militaires en provenance de Kinshasa sont à Lubumbashi depuis quelques jours pour une mission de sécurité. Voilà, mesdames et messieurs, Binomoko, Boyutsukoyo, Kanen, Atengeli Bino, dans Batu Oyo, déplacement à Bango, et ça définitif. Tokoy batango bakozala awa na Kinshasa nini bakoyibisa bango to nini bakosala na bango pona koyeba koma ko bongisa sécurité ya mboka na biso. Voilà, mesdames et messieurs, bon, vous allez comprendre que TV du peuple RD Congo ezako ko fournir bino ba information ya solo ndu to za kosenga bien. Mesdames et messieurs, vous abonnez massivement afin que vous ne soyez pas déçus, parce que nous sommes là pour vous informer, vous faire comprendre Mbo Cannabis, mesdames et messieurs, Isaac Otambola Nde Ngenini. Voilà, mesdames et messieurs, Likamo Moussousou, Isaïa, ministre de l'Intérieur, Maloulou, Oyo Banomé à Lubumbashi, mesdames et messieurs, na Okatanga, par le gouverneur Jacques Kiaboula.
ministre de l'Intérieur Bobo Malulu, mesdames et messieurs, Balobi ministre wana ya intérieur Bobo Malulu, aza mutu moko aza réputé à mal. C'est quelqu'un qui a travaillé avec le Mai Mai, qui a travaillé avec les Bakatakatanga, avec Jérémy Kungwa Kumanza. Tant que nous sommes ministre de l'Intérieur, tout le monde a quitté, mesdames et messieurs, et changement sous le plan sécuritaire. Et le monde a été changé, mesdames et messieurs. C'est pour dire que Moutouana a tiré pour qu'il a préparé ma Kamouibele, parce que ce type-là était réputé à mal. Aza réputé à mal, mesdames et messieurs, c'est quelqu'un qui collabore avec les miliciens. Selon les sources sûres, nous informe que Bobo Malulu, mesdames et messieurs, a recruté ba jeune ebélé na école na yo ya Tonga na commune ya Roachi na Lubumbashi kuna. Commune ya Roachi, c'est une commune qui fait partie ya ba commune ya Lubumbashi, la cassette toza na Kamalondo, toza na Kenya, toza na Roachi, toza na commune annexe Kampemba Lubumbashi. Alors Bobo Malulu, c'est quelqu'un qui a recruté des jeunes gens, des élèves, mesdames et messieurs, a bisa ba miliciens, ko sema ba armes. Ministre de l'Intérieur, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se prépare dans Okatanga? Qu'est-ce qui se prépare dans Grand Katanga, mesdames et messieurs? De l'autre côté, c'est Joël Kabila qui prépare ma Kamboubele, tout le monde a son arme et belé, ou Azala qui est transféré, ou Azala qui est convoqué à la Kinshasa pour qu'il va auditionner par rapport à ma Kamboubele, par entendre par rapport à ma arme, ou tout le monde a son arme et belé, ainsi de suite. Le lieu la Katanga, qu'on a besoin de même, tout le monde est déjà à collaborer bien avec les Bakatakatanga, John, à collaborer bien avec John Numbi, à collaborer bien avec John Doki Mwakumanza. Et ce qui est basé à préparer le Mwakumanza, c'est pour que vous soyez un chef de l'État, mesdames et messieurs, chef de l'État Fungo, la Missou, Bissoko Zadi, tout au Zolandabis, mesdames et messieurs, chef de l'État, tout encore, Bino, nous sommes au travers de la service de sécurité, tout au Sénanabino, Bozara, vraiment, n'a été qu'un Makassi pour nous surveiller, province de Katanga, tout le monde est déjà chef de l'État, Tunaki. Plus de 1800 commandos basés déjà qu'on a Katanga pour sécuriser Katanga Mobimba. Mais il y a des gens qui complotent déjà pour créer le monde Katanga, va créer sécession ya Katanga. Alors, tu évites Nini et Kokoma, la Mikulosa Koya, na Katanga. Mais tu évites déjà chef de l'État étant garant de bon fonctionnement. Aïbi Nenga Nini, il y a que Lukaba solutions adéquates. Toba solution draconienne pour remédier le problème Oyo et ça qui frappe na. Oh, Katanga toi encore na Lubumbashi bino mobi monsieur Kalev Mutonze aza porté disparu aza mon anaté depuis watine ba invitation belé belé yé pe akimi bazolukayé to ébité journée ba kangayé pe journée ni ba ko sambisa parce que c'est quelqu'un qui a commis beaucoup de crimes, mesdames et messieurs mobi. Autrefois je vous avais bien dit ma crime oyo John Lumbi ba sala ki ainsi de suite. Alors tozela toba ki justice na biso ninga salam sala na ngou normal. Alors espérons que tout ira bon train et notre justice fera bien son travail. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, à vous tous qui nous avez suivis depuis partout. Merci beaucoup à Joseph Ntumba. Merci beaucoup à Papa Saint-Florier Balandaï. Merci beaucoup à Henri Kongolo. Merci beaucoup à Marina Yoa qui nous a toujours suivis. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, à Grace Bilo Namukanya qui nous a beaucoup, qui nous a toujours suivis. Aussi, Benjamin Manyanganaï depuis Biélorussie, depuis Russie Bito, qui nous a toujours suivis. Angélique Lelandibou, ma maman préférée. Merci aussi à Maman Rose chez Tchaba, à Papa Simon Dibou et à Papa Donatien Kapajika. Merci mesdames et messieurs, nous vous disons merci beaucoup. Soyez scotchés toujours sur votre chaîne TV du peuple RD Congo. Vous ne serez jamais déçus parce que nous sommes là toujours pour vous informer en temps réel, mesdames et messieurs. Moi je vous dis portez-vous bien et on se retrouve très prochainement avec notre visage ou encore une autre information. Coucou à Dada Benangudi. Ciao.